nak kongsikan sikit tentang pelajaran dalam Sains Gayung. Jadi seperti mana yang kita umum ketahui bahawa Sains Gayung ni ada teknik kita menangkap sendi dan sebagainya, dan pelbagai sebenarnya. Jadi hari ini saya nak ceritakan tentang macam mana menggunakan sendi yang ada pada tangan saja, belum lagi keseluruhan badan. Dan semoga perkongsian itu dapat memberikan pemahaman kepada anak gayung, ya. Dan benda ni nanti saya akan tunjukkan satu video lain masa saya menunjukkan tentang hal sendi itu. Jadi semoga kita dapat mempelajari atas dan memberikan manfaat atas video ni. Kita jumpa sekali lagi. Assalamualaikum. C'est important pour comprendre bien la position de l'articulation. Okay. Position de l'articulation. Par exemple, ça c'est grand, position de l'articulation. 1, 2, 3. Ça c'est petit. Ouais. Ça c'est combien? Ça c'est 15. Ouais. Avec ça plus, c'est 18. Okay. Mais pour nous, pour la première fois, on va travailler juste avec la grande articulation. La plus grande que ça. Ok? Mais, par exemple, si, attention, si, attraper ici, ouais, comment pour esquiver, on utilise là, la deuxième articulation. T'as compris? Oui. Attraper les deux, avec ça aussi. Comme ça, je ne peux pas bouger au gars. Ouais. Hein? Mais, j'ai utilisé là, troisième. Comment je fais avec la troisième? Je descends et je bouge. Ok. Ok. Oui. Hein? Ça, oui. J'ai bougé en face. Il a déjà lâché. Après la deuxième. Voilà. Après là, ok. Lâché la première après la deuxième. Ouais. T'as compris? Ouais. Hein? La première, on travaille déjà avec ça. Ouais. Ça, on reste. Tranquille, on travaille bien avec la coude, la deuxième articulation, on peut lâcher. Ouais. Ok? Si il attrapait les deux, ou il attrapait comme ça, par exemple, on travaille avec ça pour lâcher. Ah oui. Hein? Ou comme ça, on travaille. Ça, je ne peux pas bouger le rein. Je ne peux pas sortir. Ok, mais je travaille avec les épaules. Mm-hmm. Je pousse. Après, je sors. La troisième. Ah. Je comprends. Ça, c'est important. Vous comprenez bien la position de l'articulation. Bouge en bas. Oui, juste comme ça. Là. Ah. C'est difficile pour sortir. Mais j'ai utilisé les épaules. Hein? Ça, sans déplacement. Ouais. Avec déplacement, c'est plus dur. Okay. Ça, c'est sans déplacement. Juste travailler l'articulation. Ouais. Si je fais avec déplacement, et toi, tu peux tout de suite faire un roule. Ah, ok. Ok, là, juste attraper. Hein? Force. Ok, attraper. Bien, comme ça. Regarde, attraper là. Je ne peux pas sortir. Allez, attention. Mais, regarde, la coude, il a attrapé même la poignée ici. Mm-hmm. Mais j'ai utilisé la zipoule parce que la zipoule c'est libre. Libre. Ok, je bouge en face moi. Et je sors. Ok, j'ai fait mal. Ouais. J'ai bien ça fait mal, ça fait mal. Quand on rentre ici. Ouais. Voilà. Vous comprenez bien la position d'où, à tout cas. Ça, c'est la snigaille. Ok. Pour apprendre bien ça. Faut trouver où mettre, c'est tout. Sans mettre, ça ne marche pas. Tu peux regarder sur internet, tu peux regarder sur YouTube, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas pareil la réserve de ton formation. Ok?